Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous à cet espace Grand Bornand qui va être le lancement de cette 7e édition de Glisse en Chœur. Cette année, l'association que nous défendons, Corps et Âme, c'est l'association OVA. Hélène, peut-être dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est OVA. Ça veut dire Objectif, vaincre l'autisme. Oui, c'est une association de parents que nous avons créée il y a 8 ans. On était des parents d'enfants porteurs d'autisme et on ne trouvait pas de prise en charge qui nous convenait. On savait qu'à l'étranger, il y avait des choses efficaces qui existaient. Alors, on l'a rêvé et on l'a fait. Chaque enfant étant différent, on peut pas garantir quoi que ce soit au départ. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une rééducation extrêmement bien menée et suivie, les enfants acquerront beaucoup plus d'autonomie, trouveront des outils de communication, même s'ils ne parlent pas tous, et rejoindront une vie avec les autres. Lorsque Glisse en Chœur, cet événement caritatif numéro 1 de la montagne française, décide de collecter des dons en faveur de l'association OVA, que tant de personnes nous soutiendraient, se sentiraient concernées, témoigneraient d'autant de générosité. Merci pour nos enfants, merci à tous. Ça va, mon pote ? Oui ! Ah ben voilà ! C'est une bonne chose. Mesdames et messieurs, Gaspard, dont on parle depuis le début, c'est déjà la star de Glisse en Chœur, 7e édition. Gaspard, merci d'être avec nous. Comment tu te sens, en pleine forme ? En pleine forme, je suis un peu stressée, voire très des milliards d'heures. Depuis des milliards d'heures, t'es stressée ? Ben, je te crois pas. J'invente. Voilà, t'inventes. Ça démarre très bien, c'est très belle soirée. Lumineuse, ouais, c'était une soirée lumineuse. C'est vraiment une histoire de valeur, on a quelque chose à transmettre au public pour donner ce qu'on sait faire. Glisse en Chœur a
arrive là pour nous donner l'opportunité d'un grand virage, parce que chaque 25 000 euros, on va pouvoir accueillir un enfant de plus. Et c'est toute une masse de bénévoles qui sont là, qui travaillent, et qu'on ne voit pas et qu'on ne peut que remercier. Et puis bien sûr, tous ces donateurs qui ont donné beaucoup d'argent, un petit peu pour certains, un peu plus pour d'autres, mais qui fait qu'on arrive à une somme très importante maintenant et qui va nous permettre d'avancer pour la suite. Première impression géniale, le temps n'a aucune emprise sur notre équipe, on est extrêmement motivés et la cause est tellement belle qu'on y va, et avec notre équipe qui s'appelle Avec Pilote Sa Trace, on est à fond. On sait pourquoi on est là, donc bien sûr c'est pour la bonne cause et on va se motiver pour réussir l'exploit. On espère que ça va motiver aussi les enfants à se dire bon bah allez, ils sont tous derrière nous. Voilà. Et que ça va leur faire plaisir, voilà. En tout cas. Faites vos dons. J'ai lancé une équipe cette année parce que je suis le parrain de la petite Léa qui fait partie de l'association. Donc ça m'a tenu à cœur cette année de lancer une équipe. Et j'ai réussi à mobiliser tous mes collègues du damage. On a fait une équipe de 10 dameurs et puis on est bien motivés pour aller jusqu'au bout. C'est avec du cœur, quoi. Tout le monde est là pour 24 heures. La nuit, c'est dur. Donc il y a des concerts la nuit, il va y avoir la superbe Jennifer ce soir, tout le monde l'attend. Mais la nuit c'est un peu plus dur, des fois comme en bateau. Et au bout de 24 heures, tout le monde en ressort pas grandi, mais en tout cas content, parce que c'est pour une bonne cause, et au moins faire quelque chose pour une bonne cause, c'est bien. On arrive à mobiliser les gens, et c'est avant tout ce rassemblement qu'il faut retenir ce week-end. Et puis c'est une fête aussi, et puis c'est pour eux, c'est pour les enfants, c'est pour les faire rêver un petit peu. C'est une fierté que ce soit notre station qui organise ce genre d'événement et que ça ait pris une telle importance. Pour gagner de l'argent,
ou pour faire une simple démonstration, je ne l'aurais pas fait. Je l'ai fait parce que c'était lié à cet idéal, je dirais, caritatif, aider ces enfants qui sont très attachants, leur permettre peut-être de s'intégrer après dans la société, grâce notamment au concert qu'on a fait hier soir, et puis tout ce que font les gens, l'inscription des clubs, etc. Donc j'ai apporté ma petite touche, voilà. Papa d'un enfant autiste, donc qui a 14 ans, qui s'appelle Lorenzo, et qui est pris en charge par l'association. Il y a 14 ans, avoir un enfant autiste, c'était compliqué, ça l'est toujours aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de structures. On a dû se débrouiller tout seul, trouver des parents pour fédérer les énergies et mettre en place une structure qui maintenant offre une prise en charge vraiment indispensable pour que les enfants et les parents puissent avoir une vie digne de ce nom. Quand on voit des associations comme OVA cette année, moi, je voudrais qu'on aille à 250 000 euros. Quoi. C'est un grand sentiment de partage et de solidarité. Ce qui est magique avec ce type d'événement et avec Glisse en cœur, c'est que c'est toujours une aventure. Quoi. Je trouve ça génial que les causes tournent parce que tout le monde découvre chaque année une cause différente, une maladie, un thème. Les enfants sont là et en profitent. Quand on arrive au Grand Bornand, à travers Glisse en cœur et puis le festival au Bonheur des Mômes, on sent qu'il y a vraiment en tout cas des gens qui ont envie de donner. Au Grand Bornand, partout, on voit terre de champions, c'est vrai. Il y a des champions, des super champions, mais moi je dirais c'est terre de cœur. Je suis ravi que cet événement puisse surtout faire connaître au maximum de gens des associations complètement différentes chaque année qui œuvrent pour aider les enfants malades. Cette année, c'est Objectif Vaincre l'autisme. Ils sont déjà avec une banane comme ça, puisque chaque année, et c'est ça qui est magique aussi, Glisse en cœur, malgré une période morose, de crise, tout ce qu'on veut dire par rapport à cela, on continue à battre des records. Et cette année, on est à moins d'une heure maintenant de l'arrivée. On sait qu'on a déjà battu notre objectif, qui était de 200 000 euros. L'année dernière, c'était 174 000 euros de dons. Cette année, on fait encore un petit peu plus. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter? Demain, il va falloir pousser les montagnes pour que Glisse en cœur prenne encore plus d'importance. Pour une vie, quel formidable défi. Quel formidable défi. Skier pour une vie. Skier pour une vie. Quel formidable défi. 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 Quel formidable défi. Skier pour une vie. Quel formidable défi. Skier pour une vie. Quel formidable défi. Quel formidable défi. Skier pour une vie. Skier pour une vie. Quel formidable défi. Quel formidable défi. Skier pour une vie. Quel formidable défi. Skier pour une vie. Quel formidable défi.